как лань желает, как лань желает к потокам воды, так желает душа, так желает душа моя к тебе. Унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Жажде душа моя живому стремится душа, но когда я приду и когда я явлюсь перед лицом твоим, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Плачу я день и ночь, слезы мои стали хлебом моим, и враги мои вновь говорят мне: ну где же Бог, ну где Твой? Душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Днем явит милость, днем свою милость не явит Господь. Ночью песню я, и молитва летит моя к тебе, мой Бог. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Как лань желает, как лань желает к потокам воды, так желает душа, так желает душа моя к тебе, мой Бог.
лань желает, как лань желает к потокам воды, так желает душа, так желает. À vous agenouiller pour la prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, béni sois-tu pour cette journée que tu nous as accordée. Merci Seigneur Jésus, tu nous as permis de passer une agréable journée. Tu nous conduis dans ta maison afin d'entendre ta parole. Nous te demandons, Père, l'assistance de ton esprit afin, Seigneur, de conduire le prédicateur, afin, Seigneur, que les paroles qui dira vienne de toi. Cache-le, Père. Efface-le. Et que ton nom soit élevé, soit glorifié, soit magnifié. Nous te prions pour nos frères malades, Père. Nous te demandons de les visiter. Nous pensons à Luc, nous pensons à Francisca, nous pensons à tous les autres, Père, qui sont dans la souffrance. Père, nous te demandons de passer ta main guérissante, car nous croyons que, Seigneur, rien n'était possible à toi. Selon ta volonté. Bénis notre Église. Prends main et visite cette boîte à prière. Père, nous savons que tu es à l'écoute et tu regardes les écrits dans cette boîte, afin, Seigneur, que tu puisses donner des réponses. Et tu réponds, tu as déjà répondu et tu répondras encore, Père. Bénis la jeunesse de la Beauce. Veille sur cette jeunesse. Père, ils ont besoin de toi dans leurs plans, dans leurs projets, dans leur vie.
Et surtout, Père, dans ta grâce, accompagne-les dans leur choix. Choisis pour eux, afin, Seigneur, qu'ils puissent faire le bon choix. Nous déposons la Guadeloupe entre tes mains, Seigneur. La violence bat son plein. Meurtre sur meurtre, Père, dans ta grâce. Préserve tes enfants. Sois avec nous, là où nous sommes, là où nous allons. Et que ton nom seul soit glorifié. Bénis notre Église, Père. Nous comptons sur toi pour le terrain. Nous savons, Seigneur, que tu as un plan. Et tu nous as déjà dit que tu as un plan. Mais, oh Dieu, accorde-nous l'intelligence et la sagesse pour marcher avec toi dans ton plan. Bénis chacun d'entre nous et que ta paix soit dans nos cœurs. Nous ne sommes pas dignes. Ce sont ces grâces que nous te demandons. Nous pensons aussi, Seigneur, à Mehdi qui doit prendre la parole en ton nom dans l'effort. Nous pensons à tous ceux qui sont dans cette dynamique afin que l'effort puisse être une réussite. Surtout, nous te demandons, Père, d'envoyer des anges puissants afin d'arrêter le malin dans toutes ces contrefaçons, toutes ces mauvais coups, afin, Seigneur, que cet effort soit un succès. Reste avec chacun d'entre nous, au nom pour l'amour de ton fils Jésus. Amen. Cette semaine, nous prions pour Marie-Hélène Boudot et sa famille. Nous allons poursuivre au numéro 244. Où chercher point de place.
Bonsoir, chers frères et sœurs. J'espère que vous avez, je sais que vous avez passé une bonne semaine avec Pasteur Bivouac. Et le Seigneur vous a richement béni. Eh bien, que le nom de Dieu soit béni, hein, puisque Dieu parle à son Église et utilise divers serviteurs pour parler de manière à ce que le message qui ne change pas puisse parvenir à nos oreilles, à notre cœur. Donc moi-même, j'étais à l'église des Abîmes, donc ça s'est bien passé aussi. Avec la grâce de Dieu, nous avons, avec l'aide de Dieu, essayé de tirer le meilleur et qu'ainsi le nom de Dieu soit glorifié. Alors le sujet de ce soir, c'est là, j'ai un drôle d'écho. Le sujet de ce soir, c'est la prédestination ou l'élection. Alors, c'est quoi la prédestination? La prédestination est habituellement comprise comme une décision souveraine de Dieu par laquelle Dieu aurait fixé d'avance la destinée de chaque être humain. D'accord? Vous entendez les gens dire c'est son destin. Mais ici, il s'agit de destinée éternelle. Il aurait ainsi décidé d'accorder le salut à certains hommes et vouer tous les autres à la perdition. Que dit la Bible? En est-il ainsi? Ceux qui l'affirment généralement s'appuient sur des textes de la Bible. Ils ne le disent pas juste pour le dire. C'est qu'ils trouvent des versets pour pouvoir avancer cela. Alors, l'un des textes favoris qui sert à avancer cette idée de prédestination, c'est Éphésiens 1, versets 4 à 5. Éphésiens 1, versets 4 à 5. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 5. Le texte déclare: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, nous sommes bénis en Jésus, d'accord? Il est dit avant la fondation du monde, il a décidé que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pourquoi? Parce qu'il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Alors, l'idée de la prédestination nous emmène quand même à poser quelques questions. Si Dieu décide qui est sauvé et qui est perdu de manière arbitraire, selon sa volonté, d'accord, croit que Dieu, dans sa grandeur, pourrait faire une telle chose, d'accord? Mais cela va sans dire que cela va poser un nombre de questions. Qu'en est-il de la justice de Dieu alors? Serait-il juste de condamner certains et de sauver d'autres? D'accord? Et pourquoi donc faire un jugement puisqu'il décide de par lui-même? Alors, que peut-il donc nous reprocher puisque s'il a déjà décidé que quoi que je fasse, je serai condamné, ou quoi que je fasse, je serai finalement sauvé? Donc, cette idée semble être en contradiction avec l'amour de Dieu et la façon dont Dieu se présente aux humains. Alors, pris ainsi, on pourrait dire que oui, nous sommes prédestinés, Dieu a choisi par sa propre volonté. Mais pour comprendre un texte, le sens d'un texte, il faut vérifier dans toute la Bible si ce texte, ce que dit, semble dire le texte, est en harmonie avec l'ensemble de l'enseignement des Écritures. D'accord? C'est ce qu'on appelle
le cercle herméneutique. Tu ne dois pas prendre un verset biblique pour en faire une doctrine. Tu dois vérifier ce qu'enseigne là la parole de Dieu. Alors, on va essayer de voir dans la Bible pour comprendre un peu est-ce que nous sommes vraiment, Dieu a décidé de sauver ou de perdre certains. Alors, que dit la Bible concernant le plan idéal de Dieu en faveur de l'humanité? On va lire un texte de 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Alors, que nous est-il dit ici? Quelqu'un peut lire le texte? Versets 3 et 4. Quelqu'un peut lire? Allez-y. Qui c'est qui se dévoue? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà. Il disait de prier pour tous les hommes. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Donc Dieu est présenté comme le Sauveur. Et quel est le dessein de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu, l'idéal de Dieu? Il dit, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, si on met ce texte en parallèle avec le texte d'Éphésiens 4, verset 5, où il est dit qu'il nous a prédestinés, on voit déjà que le message du texte, on doit le reconsidérer. Parce qu'il est dit ici qu'en réalité, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça veut dire que Dieu veut que les personnes bien éduquées soient sauvées. Que les rois, les princes, eux aussi soient sauvés. Dieu veut que les prisonniers soient sauvés. Dieu veut aussi que les violeurs soient sauvés. Dieu veut que les criminels soient sauvés. C'est le désir de Dieu, c'est le plan de Dieu. C'est ça l'objectif de Dieu. En fait, que tous ceux qui passent sous le globe, qu'ils soient sauvés. Et redonnons cela, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, on va lire un autre texte dans 1 Thessaloniciens 5 et le verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 9. L'apôtre Paul déclare ceci, il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Notez ici, il est dit que le salut est acquis par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que, en acceptant Jésus-Christ, nous acquérons le salut. Donc, mais l'offre du salut est offerte à qui? À tous. Est-ce que vous avez un texte pour appuyer cela? Jean? Qui dit quoi? Ne périsse point. Qu'il est la vie éternelle. Alors, un autre texte qui montre que Dieu, un texte qui nous concerne bien en tant qu'adventiste du septième jour, c'est le message des trois anges adressé à tout peuple, à toute langue, à toute nation, à toute tribu. Donc, ça veut dire que Dieu n'exclut personne. Et le texte de Matthieu, où Dieu dit, allez par tout le monde et prêchez là, et faites de toutes les nations. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, l'offre de la grâce est offerte à toute âme qui passe sur cette planète, sans exception. Donc, on voit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que le salut s'acquiert par l'acceptation de Jésus-Christ, et que ce salut est offert à quiconque, quelle que soit la personne. Alors maintenant,
puisque l'offre de la grâce est offerte à quiconque, et puisqu'elle est offerte, remarquez, c'est offert. Lorsqu'on vous offre quelque chose, quelles sont les options que vous avez? Accepter ou refuser. Mais on vous le donne pour vous refuser. Parce qu'on est, on a une volonté. Alors, ainsi, l'offre du salut vient à tout homme. Mais lisons un peu ce que dit Jésus dans Matthieu 23 et le verset 37. Matthieu chapitre 23 et le verset 37. Matthieu 23, 37. C'est Jésus qui parle à Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? C'est la ville du grand Dieu. C'est là où se trouve le peuple de Dieu. C'est le lieu où se trouve le centre spirituel de la nation d'Israël. Et où est-ce que Jésus leur dit? Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et qu'est-ce qu'il dit? Et vous ne l'avez pas voulu. Donc, en face de l'offre de la grâce répétée par Dieu, puisque Dieu leur a envoyé des prophètes, d'accord? Dieu l'a envoyé ses serviteurs, Dieu a envoyé Jésus, mais ils n'ont pas voulu. C'est-à-dire qu'ils ont exercé leur liberté, leur volonté, et ils ont décliné l'offre de la grâce. Et le verset 38 donne la conséquence. Il dit, voici votre maison vous sera laissée déserte. Ça, c'était pour la ville. Mais pour un homme qui refuse l'offre de la grâce et qui repousse l'offre de la grâce, eh bien, ta maison aussi est laissée déserte. Enfin, elle ne sera pas vraiment déserte. Mais elle sera déserte de la présence de Dieu. Mais elle sera occupée par quelque chose d'autre. C'est la nature a horreur du vide. Donc, c'est pour montrer que la volonté de l'homme peut faire échec à la volonté de Dieu. Dieu respecte la volonté de l'homme. L'homme est libre et Dieu respecte sa liberté. Et c'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 20, Jésus est présenté comme frappant à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je... Et qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un... Remarquez, hein? Il dit, quelqu'un, c'est comme Jean 3, 16, quiconque, quelqu'un, l'offre de la grâce est individuelle. L'offre de la grâce nous arrive non pas en groupe, nous sommes tous assis là, une parole sort, mais cette parole est adressée à chacun. C'est chacun qui va décider qu'est-ce qu'elle fait avec cette parole, d'accord? Et à ce moment-là, eh bien, si nous acceptons la parole comme ce qu'elle est la parole de Dieu, eh bien, nous en avons le bénéfice. Si nous la repoussons, eh bien, nous n'en avons pas le bénéfice. Et là, Jésus est présenté comme frappant à la porte de notre cœur et il dit qu'il veut rentrer, mais si quelqu'un ouvre, d'accord, il va rentrer et il va souper avec nous. Il sera dans la maison. La maison ne sera pas vide. D'accord? Mais Dieu respecte notre liberté parce que Jésus aurait pu rentrer, pousser la porte et rentrer. Hein? D'accord? C'est comme quand les disciples étaient dans la chambre, comme ils étaient déjà d'accord, ils étaient les disciples de Jésus. Après la résurrection, Jésus a fait qu'apparaître dans la chambre haute. Et là, dit, la paix soit avec vous. Il n'a pas frappé, il a fait qu'apparaître puisqu'il est chez lui. Mais quand il ne se sent pas chez lui, il va respecter, il va taper pour nous demander la permission d'entrer chez nous. D'accord? Alors, donc, un autre texte va nous prouver que la volonté de l'homme a à voir avec sa destinée. Matthieu chapitre 22
Et le verset 14, Matthieu 22, 14. Que dit le texte? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, ça veut dire que certaines personnes, beaucoup aussi, vont entendre l'offre de la grâce. Ils vont refuser carrément. Ils vont dire, moi, ah non, ça ne m'intéresse pas. D'accord. D'autres vont entendre l'offre de la grâce et ils vont dire, ah oui, je veux. D'accord? Mais pour des raisons X, eh bien, à un moment donné, ils vont abandonner le chemin de la grâce. Et là, il est dit, ils ont été appelés, ils ont répondu, mais ils n'ont pas fini la course. Alors, il y a ceux qui rentrent à l'église et puis qui quittent l'église, qui ne reviennent jamais. D'accord? Là, on sait qu'eux, ils ont abandonné. Il y a ceux qui rejettent après la vérité. On sait qu'ils ont apostasé. Peut-être que Dieu, avec l'aide de Dieu, ils peuvent revenir. On condamne personne. Mais le plus dangereux, c'est le fait d'être dans l'église, d'accord? Et d'être sûr d'être dans la grâce et de ne pas être dans la grâce. Parce que les Juifs, ils étaient sûrs hein, à Jérusalem, mais ils n'ont pas accepté la grâce de Dieu. Et puisque nous avons la connaissance, eh bien, il est difficile, et même Dieu, hein, on voit la difficulté, hein. Dieu dit à l'Église, mais tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu, mais l'Église n'accepte pas ça. L'Église n'accepte pas ça, mes frères. Et c'est très difficile de faire comprendre à l'Église qu'il y a un danger de se complaire dans une fausse sécurité. Parce que, effectivement, on a répondu à l'appel, mais on estime que puisqu'on est dans la maison de Dieu, on fait partie du peuple de Dieu, alors on a droit d'entrer. Mais ce n'est pas automatique, mes frères. Ce n'est pas automatique. C'est là que beaucoup se trompent. Et c'est pourquoi, mes frères, certains frères sont irrités lorsqu'ils entendent certains messages. Parce qu'ils ne supportent pas, voilà, qu'on puisse leur dire que c'est comme ça que ça va. Et ce que vous faites là, ce n'est pas ça. Alors, on devient extrémiste. On devient toutes sortes de istes. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître leur véritable état. Mais le plus grand danger pour un homme, c'est d'ignorer son véritable état devant Dieu. Parce que, en réalité, l'Église peut te porter au nu et devant Dieu. Tu n'es rien. La sœur raconte l'histoire d'un frère, un prédicateur, un pasteur. Et le pasteur, il prêche, il gagne des âmes, mais il est en marinade. J'allais dire ça comme ça. Il est battu. Normalement, je vais même arrêter de l'appeler pasteur. Et lui, il dit, mais regardez les âmes qui rentrent. Parce que Dieu est avec moi. Quand les frères sont dans lui, il fait, mais un frère, il faut redresser, il faut que tu corriges. Il dit, mais regardez le fruit. Regardez, il y a des âmes qui rentrent dans l'église. Il prêche, les gens se convertissent. Et la sœur White lui dit, mon frère, comme vous êtes là, et que vous tenez la chair, Dieu fait le travail pour faire rentrer ses enfants. Et il cache vos défauts à ses âmes pour qu'elles puissent accepter le message. Mais quand elles seront affermies, il mettra en lumière votre véritable caractère.
Voyez? Donc, lui, pour lui, il est dedans. Mais on lui dit, tu n'es pas dedans. Hein? Tu n'es pas dedans. Et ça, nous pouvons être appelés, mais nous devons concevoir que nous devons veiller, chers frères et sœurs, pour pouvoir rester dans la grâce du Seigneur. Et le malin, il est fort à ce jeu-là. Hein? Il va nous détourner au fur et à mesure. Et puis, ça devient une routine, en fait. Et notre religion n'a plus de joie. Il n'y a plus cette communion. On vient à l'église, puisqu'on est habitué. D'accord? On vient à l'église parce que tous nos voisins savent qu'on est adventiste. Mais le cœur n'y est pas, en fait. À l'intérieur, on est desséché. Mais Dieu nous dit, il est à la porte et il frappe parce qu'il voit la situation. Et c'est pourquoi nous ne devons pas devenir rebelles, mais nous devons prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse remédier à tout cela parce que nous sommes dans la fin des temps. Chers frères et sœurs, il y a des endroits où certains prédicateurs ne peuvent plus dire que l'amour de Jésus. Parce qu'ils ne peuvent plus parler. On leur a coupé la parole. Pourquoi? Parce que le peuple ne veut pas entendre la vérité. Oui. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Et sur la base de ce que lui, il veut. Pas sur ce que nous voulons. Alors, sur quoi Dieu se base-t-il pour prédestiner alors certains hommes au salut plutôt que d'autres? Plutôt que d'autres. On va lire un texte de Romains 8, versets 28 et 29, selon ceux qui disent qu'il y a une prédestination, que Dieu choisit qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Alors, voici ce que dit la parole. Romains 8, versets 28 et 29. Il dit ceci, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » D'accord? Alors, revenons sur le texte. Il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un dessein éternel. Il appelle les hommes. Quel est son dessein? C'est que nous soyons saints et irrépréhensibles en Jésus-Christ. D'accord? Il dit, il les a connus, car ceux qu'il a connus d'avance, comment il les a connus d'avance? Eh bien là, nous avons affaire à la prescience de Dieu. À la prescience de Dieu. Dieu voit la fin dès le commencement. Et même avant le commencement, Dieu a déjà vu la fin. Vous voyez? Parce que il a la connaissance infuse, il peut voir. Et donc Dieu sait quel choix que nous allons faire en face de l'offre de la grâce et quelle décision nous allons prendre et comment nous allons mener notre barque selon la liberté qu'il nous a donnée. Et quelle sera la finalité de notre course? Et donc, Dieu sait qui c'est qui est appelé, qui sont les appelés qui vont persévérer et finir la course en élu de Dieu. Mais Dieu, chers amis, ce n'est pas lui qui décide que tu vas à droite ou que tu vas à gauche. C'est selon tes décisions à toi en face de l'offre qu'il te fait. D'accord? Jésus intercède, il t'accompagne pour que tu puisses parvenir jusqu'au bout de la course. D'accord? Mais ce n'est pas la décision de Dieu de dire toi-même si tu veux tout ça, à la fin, moi j'ai décidé que tu vas à droite. Hein? Non, Dieu, ce n'est pas ça. C'est comme si que Dieu, il est en route dans un hélicoptère, d'accord? Et il surveille la route, le trafic sur la route.
Et il voit un conducteur fou qui prend la nationale en sens inverse. Et il voit un autre qui arrive à toute vitesse dans le bon sens. Donc lui, il avertit déjà, il dit, il y a un accident là, parce qu'il y a un conducteur qui prend la nationale à contresens. Maintenant, est-ce que c'est celui qui est en haut qui a décidé l'autre de prendre la nationale à contresens? Non, il a décidé de faire cela pour X raisons. Et l'autre qui est dans le bon sens, c'est sûr que si ce n'est pas celui-là, c'est un autre qui va se télescoper. Donc, il connaît, d'accord, mais il n'influe pas sur la liberté des hommes. Il t'a donné la liberté, il te donne les moyens pour faire le bon choix, d'accord, mais ce n'est pas lui. Donc, c'est pourquoi il dit, il connaît d'avance. Dieu sait comment nous allons tous. Aucun de nous ne sait comment que sa course terrestre va finir, mais Dieu le sait. David dit, tous mes jours sont comptés, donc Dieu sait combien de jours que tu as. Tu vois? Si tu vas aller jusqu'à 100 ans, jusqu'à, tu vas aller jusqu'à 200 ans, Dieu le sait. Mais nous, nous ne le savons pas. D'accord? Et c'est pourquoi Moïse dit, il faut bien compter ses jours et agir avec sagesse. Parce que quand tu crois que tu en as beaucoup, peut-être c'est le dernier. Alors Dieu se base en fait sur ça. Préscience. Il peut voir l'usage que l'homme fera de sa liberté, le sens qu'il donnera à sa vie face à l'offre de Dieu, face à l'offre de la grâce. Mais c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui choisit. Et dans toute la Bible, Dieu donne toujours le choix aux hommes. Dans Deutéronome 30, versets 15 à 20, c'est encore plus visible. Deutéronome, et là on est dans l'Ancien Testament, Deutéronome 30, versets 15 à 20. Deutéronome 30, 15 à 20. Voilà. Dieu dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. » Mes frères, est-ce qu'il y a une ambiguïté là? Non, le truc est clair, l'offre est claire. Il te dit, il y a deux choses devant toi. La bénédiction et la malédiction, la vie est là. Et qu'est-ce qu'il te conseille de prendre? De prendre là, pour que tes jours soient, pour que tu sois heureux. C'est pas ça que tous les hommes veulent. C'est pas ça que tout le monde veut. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été déportés en Assyrie. Pourquoi? Parce que ils ont choisi le mal. Ils ont choisi la malédiction. Après, ils ont été déportés à Babylone. Pourquoi? Toujours pour les mêmes choses. Vous voyez? Donc, est-ce la faute de Dieu? Est-ce que les choses n'étaient pas claires? Les choses sont claires. L'offre de la grâce est claire. Mais l'humain a sa propre volonté. Et il peut décider pour raison X ou Y
de ne pas choisir ce que Dieu lui a proposé. Ou bien de commencer avec Dieu et après, il dit, mais non, je vais faire un peu par là. Ou bien il décide, je fais un peu de Dieu, un peu de l'autre côté, un peu, et Dieu offre aux hommes librement le choix d'obéir, le choix de vivre avec lui ou pas. Alors voici deux autres textes phares pour prouver que Dieu agit de façon arbitraire selon ceux qui avancent cette idée de prédestination. Mais c'est Romains 9 et verset 18. Romains 9 verset 18 premièrement. Romains 9 verset 18. Il s'agit de l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Dans ce chapitre Romains 9, l'apôtre Paul va parler d'Ésaü et de Jacob. Il va parler de Pharaon, d'accord? Alors, on va lire le verset 18, où Dieu dit ceci. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Alors, cette parole a déjà fait couler beaucoup d'encre. Et beaucoup de personnes disent que, justement, que c'est Dieu qui endurcit le cœur des gens. Alors, l'offre de la grâce est donnée à tous. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu respecte la liberté des hommes. Alors, comment Dieu fait-il pour endurcir le cœur des gens alors qu'il donne son Fils pour sauver les hommes? Ça n'aurait pas de sens. D'accord? Donc, cette parole a donc un sens. Dieu, il fait miséricorde à qui il veut. Donc, il a donné son Fils Jésus et l'offre de la grâce est donnée à tous. Et le pardon est offert à tous. Et la réconciliation est offerte à tous. Mais, en résistant à l'offre de la grâce, le cœur s'endurcit. C'est-à-dire que quelqu'un entend la voix de Dieu lui parler au travers du message de l'Évangile. Mais la personne ne veut pas faire ça. Le cœur va devenir plus dur. La prochaine fois, le message viendra encore à lui. Eh bien, cette personne, si elle peut décider d'accepter, mais si elle continue à résister ainsi, message après message, à un moment donné, même si Dieu mettait toute la puissance du Saint-Esprit, la personne, elle serait assise là et ça lui passerait par-dessus la tête. C'est comme les gens qui habitent du côté du Rézé. Ils n'entendent plus les avions. Toi, tu viens là et tu entends un avion qui se lève. Et tu regardes, mais tu vois les gens là. C'est comme si il n'y a rien qui se passe. Parce que tu es habitué. Tu vois? Tu es habitué. Et c'est ça l'endurcissement. C'est que les œuvres de Dieu, la parole de Dieu, ça ne te fait plus rien. Ça ne te fait plus rien. À la rigueur, tu dis, mais qui t'a mis ces raffinés là ça? Et pourtant, un autre qui est assis là, il est transporté par la parole de Dieu. Son cœur se dilate sous l'onction de Dieu. Il voit la main de Dieu. Et pourtant, l'autre ne voit rien. Vous voyez? C'est ça l'endurcissement. Mais ça, c'est à force de repousser l'amour de Dieu. Ainsi, la miséricorde de Dieu est offerte à tous. Alors, dans Exode chapitre 9, Exode 9, versets 7 à 12, on voit le cas de Pharaon. Le cas de Pharaon, où Dieu dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et les gens disent que oui, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Si Dieu n'avait pas endurci le cœur de Pharaon, Pharaon serait sauvé, il aurait fait ce que Dieu lui a demandé. Alors, Exode chapitre 9, versets 7 et 12. Deux déclarations. Il est dit ceci. Verset 7. Il dit, Pharaon s'informa de ce qui était arrivé. Et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri, mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller le peuple. Il a vu le miracle,
Il a pris les renseignements. On lui a dit, oui, c'est ça qui s'est passé. Les bêtes des Égyptiens sont mortes, mais parmi les Israélites, il n'y a aucune bête. Ils n'ont rien perdu. Et Pharaon a dit, ça, c'est rien. Et il s'est dit, par contre, je ne vais pas les laisser partir. Hein. Si vous croyez que c'est ça qui va m'impressionner, ils vont rester là. Alors, verset 12, il est dit, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et c'est là que les gens disent que c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Mais mes frères, la Bible ne se contredit pas dans son enseignement. Nous allons lire maintenant dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Et vous verrez que ce n'est pas Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Exode chapitre 3. Il est dit, Dieu dit à Moïse que tu vas aller en Égypte et tu vas parler au Pharaon. Mais au verset 19, Dieu lui dit, je sais, la préscience de Dieu, que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Et il lui dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Et il dit, après quoi, il vous laissera aller. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu dit à Moïse que le Pharaon a une volonté délibéré de s'opposer à la volonté de Dieu. Et qu'il ne laissera jamais Israël sortir de l'Égypte. Si c'est pour attendre que Pharaon laissera Israël partir, il ne le fera pas. Il n'est pas décidé à le faire. Il ne veut pas, avant même que Moïse n'aille là. Donc c'est la volonté, en fait, de Pharaon de ne pas laisser ce peuple partir parce qu'il l'utilise comme esclave. Il fait avancer son pays, c'est la richesse de son pays, c'est son bien. Donc, négatif, ils n'iront nulle part. Et Dieu lui dit, si ce n'est par une main puissante. Donc, ça veut dire, il faut que Dieu appuie fortement sur l'Égypte pour que Pharaon puisse arriver à laisser le peuple partir. Ce n'est pas de bon gré qu'il va le faire, hein, mais il va être contraint de le faire. Il dit, parce que Dieu dit, je ferai au milieu de l'Égypte toutes sortes de prodiges. Et il dit, après quoi? Après les prodiges, il vous laissera aller. Si je ne fais pas ça, il vous laissera jamais aller. Donc, quand le message vient à Pharaon, laisse aller mon peuple, Pharaon n'est pas du tout d'accord à laisser le peuple aller. Hein? Ah non! Et la première chose qu'il dit à Moïse, mais tu veux détourner ce peuple de son travail, voyez? Il fabrique des briques. Donc, tu vas ruiner l'économie. Tu vas mettre un problème dans l'économie du pays. Quand je les laisse aller partir là, 3 jours, vous voyez quand il y a grève, la première chose que les gens font, ils chiffrent combien d'argent ils ont perdu dans la journée. Donc, Pharaon aussi, eh bien, il est en train de chiffrer. Il dit, mais si je les laisse partir 3 jours, mais il y a 3 jours sans briques, c'est de l'argent que je perds. Les travaux qui n'avancent pas, les champs qui ne sont pas entretenus pendant 3 jours, il dit, mais non, je ne vais pas faire un truc comme ça. D'accord? Donc, il s'oppose, c'est une volonté délibérée de s'opposer à la volonté de Dieu. Donc, il est obstiné. Ainsi, ce n'est pas Dieu qui va l'endurcir, mais c'est sa décision de résister à la volonté de Dieu, coûte que coûte. Et pourtant, Dieu va réussir. Dieu va le faire plier. Parce que plus, quand Dieu te parle et que tu n'écoutes pas, Dieu a les moyens de te faire plier. Dieu a les moyens de te faire rentrer dans l'obéissance. C'est pourquoi il est dit, c'est une chose terrible que d'être tombé entre les mains du Dieu vivant. Alors, puisque ce n'est pas Dieu qui décide de notre destinée de façon arbitraire, alors, ce que nous devons faire, c'est suivre le conseil de l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 1 et le verset 10. 2 Pierre 1, verset 10. «
2 Pierre 1 et le verset 10. Il est dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Qu'est-ce qu'il est dit? Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Alors, ça veut dire que nous avons, les chrétiens ont répondu à l'appel, c'est-à-dire la vocation céleste. Dieu nous a appelés, nous avons répondu. Que Dieu nous a adressés par la prédication de l'Évangile et nous avons été incorporés dans l'Église de Dieu. Mais notre situation demande à être affermie par l'obéissance à Jésus-Christ et par une vigilance active. S'ils peuvent se réjouir, si nous pouvons nous réjouir à la pensée que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, selon Luc 10, verset 20, nous devons savoir aussi que notre salut final dépend de notre persévérance. Matthieu 24, 13 dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... » Il faut persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il faut persévérer. Et notre victoire... Et surtout, nous devons persévérer et remporter la victoire sur le péché et sur les épreuves. Jésus dit à celui qui vaincra, il faut vaincre. C'est un combat, il faut vaincre, bien-aimés chers frères et sœurs. Je répète ça, c'est un combat. Et le combat, c'est qu'il faut rester connecté à Jésus-Christ. C'est tous les jours qu'il faut rester connecté à Jésus-Christ. Et ainsi, cette victoire... Cette persévérance et cette victoire ne sont assurées que si les croyants restent fermement attachés à la grâce divine. Il nous faut rester attachés à la grâce divine. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, mais il faut entretenir cela. Il faut l'entretenir, chers amis. C'est comme les gens d'avant, quand il n'y avait pas, il fallait allumer un feu pour se réchauffer, mais on surveillait le feu, parce que s'il s'éteignait, on était en problème. Eh bien, c'est la même chose. Dieu nous a fait grâce, nous avons répondu, mais l'autre n'a pas abandonné le dessein de nous ramener dans sa maison. D'accord? Nous avons échangé de maison, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de Satan à Jésus-Christ, mais Satan, lui, il caresse l'idée de nous ramener sans cesse chez lui. Et nous, nous devons travailler de manière à ne pas retourner chez lui. D'accord? Mais il est très subtil pour nous attirer à nouveau. Mais grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ, nous pouvons triompher. Il est dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Ainsi, Dieu n'a pas décidé que celui-là sera sauvé, celui-là sera perdu. D'accord? Dieu, dans sa préscience, a décidé que tous ceux qui accepteraient son fils Jésus-Christ seront rendus semblables à son fils et que Jésus-Christ sera le premier parmi ses frères, les frères de Jésus. Et c'est là que nous voyons la grandeur de la vocation céleste et de l'élection. C'est que le plan de Dieu pour nous, c'est que nous devenions semblables à Jésus-Christ. Mes frères, est-ce que nous voyons la chose? Ce n'est pas quand nous serons au ciel, hein? C'est déjà sur la terre. Sur la terre, il veut nous rendre semblables à Christ dans notre caractère, dans nos pensées, dans nos désirs, dans notre façon de nous vêtir, de boire, de manger. D'accord? C'est un changement radical. Radical. Et la Bible dit que nous pouvons y arriver. Jésus dit que nous pouvons y arriver. Tu viens à Jésus-Christ, tu es colérique, tu es emporté. D'accord, Jésus te prend comme tu es.
Mais quand il a fini de travailler avec toi, il faut que tu lui ressembles. Il faut que tu lui ressembles. Mes chers frères et sœurs, ceux qui sont sur le live, comme ceux qui sont ici, vous savez, quand on va dans les enterrements, il y a un chant qu'on dit, qu'on chante, « Notre Père t'attend ». On envoie tout le monde monter, quoique nous savons que le monde ne monte pas. Mais l'idée, c'est que tout le monde est accueilli. La Bible ne dit pas que tout le monde est accueilli. La Bible ne dit pas ça, mes frères. La Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il faut persévérer et il faut remporter la victoire sur le péché. Il faut remporter la victoire sur ces tendances héréditaires ou acquises. Il y a des choses que nos parents nous ont transmises, mais qui ne sont pas admises dans le royaume de Dieu. Nous devons les vaincre. Nous devons les vaincre. Christ doit les ôter au-dedans de nous. Parce que ce sont des points d'appui sur lesquels Satan vient. Et quand il appuie dessus, eh bien c'est comme un tiroir que tu appuies sur le bouton, ça sort. D'accord? L'envie, l'orgueil, la susceptibilité, l'irritation, l'impatience. Nous devons vaincre toutes ces choses. Parce que nous sommes avertis que Dieu ne déposera pas son sceau sur aucun de nous si nous avons une trace d'égoïsme ou d'orgueil. On nous chante des belles chansons, mais la vraie chanson, c'est ça. À quelle dimension de préparation nous faisons, nous nous livrons. Il dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché et vous vous fatiguez déjà. Chez nous, on ne chante pas sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Mais on fait des belles éloges funèbres. On parle beaucoup, mais quel est l'état de notre cœur? Et combien de personnes sont descendues dans le tombeau avec une fausse sécurité, espérant qu'ils vont remonter pour avoir part au royaume des cieux. Et quand tu remontes, tu vois que tu es parmi la multitude comme le sable de la mer. Mes frères, c'est une tragédie. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, il ne connaissait pas. Mais pour un adventiste du septième jour, c'est une véritable tragédie. Nous n'avons pas le droit de nous retrouver parmi cette multitude. Parce que Christ a tout fait pour nous et Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. C'est le moment pour nous d'affermir notre vocation céleste, mes frères. La vie est difficile. La vie est difficile pour tout le monde. Nous avons tous des problèmes, des difficultés. Satan nous tape dessus à longueur de journée. Mais Christ intercède pour nous jour et nuit. Et il a dit que c'est possible. C'est possible quand on te fait la grâce d'aimer celui qui t'a fait la grâce. C'est possible puisque Christ l'a fait. C'est possible lorsque tu sens que ton sang coule dans ton cœur, lorsque tu sens que tu es déchiré et cartelé, c'est possible d'aimer l'autre. Il faut décider de l'aimer. Surmonte le mal par le bien. C'est possible. Le cantique dit à tous les coups que l'on me donne, que cette note résonne au loin. Amour, amour parfait. Yo machin les pieds à haut, la note qui doit sortir, c'est amour, amour parfait. Yo volé à Kazao, la note qui doit sortir, c'est amour, amour parfait. Tu as perdu tout ce que tu avais. La note qui doit sortir, c'est amour, amour parfait. Et là, je vais loin. Yo tué Timounao. La note qui doit sortir, c'est amour, amour parfait. Et c'est possible parce que c'est Christ qui le met en toi par son Saint-Esprit. Parce que pour l'affermissement de la vocation céleste, tu peux être testé à tous ces niveaux-là. Tu peux être testé à tous les niveaux, tu ne sais pas comment tu seras testé.
Mais tu peux être testé. Et tu seras testé. Et Dieu va utiliser le test pour te transformer à l'image de Jésus-Christ et déposer le sceau conforme au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Dieu fait ce qu'il a dans son plan, que nous soyons rendus semblables à son Fils Jésus-Christ. Je ne dis pas que c'est facile, hein, frère, mais je ne peux pas dire autre chose que ce que la parole de Dieu dit. Et nous devons le dire aux frères et sœurs. Et notre lutte prendra une autre dimension. Parce que nous luttons non pas contre la chair et le sang, d'accord, mais contre, voilà, et nous luttons contre notre propre péché. Parce que Jérémie dit, si quelqu'un veut se plaindre, qui se plaigne de ses propres péchés? Et là, tu es en train de travailler dans ton caractère. Chers frères et sœurs, Dieu, ce n'est pas lui qui perd personne, car il a donné Jésus. La croix de Jésus prouve que Dieu ne condamne personne, mais que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Maintenant, affermissons notre vocation céleste et courons avec joie la course qui nous est proposée. Que Dieu bénisse son Église et qu'il nous aide à avancer avec lui jusqu'au dernier jour. Amen. Nous allons mettre fin au numéro 234. Nous allons nous tenir debout. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te remercions de ce que dans ton amour, tu nous as prédestinés au travers de Jésus, au travers de l'offre de la grâce, à être rendus semblables à ton Fils dès ici-bas. Et ainsi, Père éternel, mon Dieu, de
de glorifier ton nom et de nous tenir, Seigneur, parmi les membres de ta famille. Seigneur, nous avons tous emboîté le pas avec toi. Donne-nous de persévérer jusqu'à la fin. Et Seigneur, permets que ton esprit puisse vraiment nous fortifier et que nous aussi nous puissions mettre notre volonté de ton côté afin, Seigneur, mon Dieu, de marcher de progrès en progrès et de triompher, éternel mon Dieu, de nos défauts, de nos peines, de triompher, éternel mon Dieu, de tout ce qui nous sépare de toi, de tout ce qui nous éloigne de toi, et que si que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité puisse habiter en nous pleinement, et que Seigneur éternel, nous soyons remplis de toute la puissance de ton Esprit, afin de vivre, éternel mon Dieu, comme ton Fils Jésus-Christ a vécu lui-même. Papa éternel, bénis ton peuple ici présent devant toi. Bénis nos frères et sœurs qui sont malades, soit dans les maisons, dans les hôpitaux, dans les cliniques, là où ils sont. Que l'Esprit de Dieu les visite et que tu puisses opérer des guérisons, Seigneur, des délivrances. Que tu puisses les relever et qu'ainsi, Père, que ton nom soit glorifié. Bénis donc chacun de nous, Seigneur. Bénis le quartier tout entier. Bénis l'Église. Bénis le pays, éternel mon Dieu. Et agis, Père éternel, car les jours sont vraiment mauvais. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.